para a entrevista com Neymar Júnior. No fim da tarde, ao retornar ao grupo Bandeirantes de Comunicação na capital paulista, a nossa equipe teve uma revelação desagradável. A fechadura do porta-malas da nossa viatura foi arrombada. O material de gravação do evento, da entrevista exclusiva com Neymar Júnior e alguns pertences pessoais foram furtados. Voltamos para a Praia Grande. Percorremos os locais por onde passamos em busca de informações. Sem sucesso, registramos um boletim de ocorrência na delegacia em São Paulo. Alors là, les potos, salut à tous. Comme dirait mon daron, il a deux phrases dans la vie, c'est « Oh putain, oh je comprends plus rien ». Les potos, c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. On sait très bien que Neymar a fait une interview à un journal brésilien, Band TV, à une télévision brésilienne, qui devait passer jeudi. Ça a été reporté pour quelle raison, on ne sait pas. Apparemment, il aurait parlé de rien, ni de Copa, ni de viol, ou ni de son transfert futur au Barça. C'est reporté un lundi, on ne sait pas pourquoi. Et là, carrément, la télévision brésilienne s'est fait braquer l'interview. Et juste le passage de Neymar, comme par hasard. Comme par hasard. Et personne ne dit rien. Tout le monde dit que c'est normal. Il y a un complot derrière tout ça, ce n'est pas possible. Il faut être réaliste. Il faut être objectif. Il y a un problème avec autour de ce transfert. Alors est-ce que c'est les agents, les hommes de main de Xavi, les hommes de main du père à Neymar, ou à des agents, je sais pas quoi, qu'on fait ça, mais il faut se poser la question. Il y a un problème avec cette histoire Neymar autour de ce transfert. Pourquoi je comprends pas. Alors on va vous lire l'article. Hein. Donc la TV brésilienne s'est fait braquer l'interview de Neymar. Donc Band TV, seule télévision brésilienne autorisée à interviewer Neymar durant son tournoi de Foot 5, a eu une très mauvaise surprise quelques heures plus tard. Le véhicule de l'équipe de journalistes a été braqué et la carte sur laquelle se trouvait l'entretien a été dérobée, comme vous avez pu voir dans la vidéo que je vous ai mis au début. Le passage, les infos, bon, c'est en brésilien, hein, donc on vous traduit un peu. Nous avons déposé une plainte, c'est une carte similaire qui nous a été volée. Il y avait une interview de Neymar, nous avons envie de la récupérer et de la diffuser. Il n'y avait que notre chaîne au Brésil qui était autorisée à parler avec lui. C'est la deuxième fois que nous intervenions Neymar en quelques jours. C'est quand même bizarre cette histoire. Le report de jeudi, là, la télévision brésilienne qui se fait braquer juste le passage de Neymar. Est-ce un complot ? Aurait-il dit des choses dans cette vidéo qu'on ne sait pas? Il y en a qui disent qu'il aurait dit des choses, comme la journaliste Annie Gagné. Il y en a qui auraient dit qu'il n'a rien dit du tout. Alors là, franchement, je me pose des questions. Il y a tellement d'argent en jeu, il y a tellement de commissions en jeu, il y a tellement de détails en jeu, que ça commence à être bizarre. Ça commence à être bizarre, cette histoire. En plus, comme par hasard, c'est aujourd'hui qu'il revient à l'entraînement. Il est scruté de partout. Et on a eu des infos comme quoi la réunion avec lui et Leonardo apparemment a été très très glaciale, très très tendue. Ça a duré 3 heures apparemment, ils se sont retrouvés 3 heures dans le bureau, porte fermée. Donc 3 heures, t'as le temps de discuter, hein. Je peux dire que c'est long 3 heures. Hein. Donc ils se comprennent très bien vu que les deux sont brésiliens. Donc on va vous lire l'article. Donc pour son retour, il a eu droit à une réunion de 3 heures avec la direction du club de la capitale, avec bien entendu Leonardo. Ils assurent qu'elle a été glaciale et que l'heure n'est pas au réchauffement entre les deux parties. Neymar ne fera pas partie du groupe qui va jouer le premier match amical demain face à Dynamo Dretz. Donc ça, on savait qu'il n'allait pas être là de toute façon parce qu'il a une préparation à faire. Mais là, je commence à trouver ça bizarre quand même. Je commence à trouver ça chelou parce que là, il y a trop de choses qui ne concordent pas. C'est pas possible. Il y a trop de choses bizarres dans cette histoire. Le Parisien nous assure qu'avant qu'il parte au Brésil, ça veut dire avant le dernier match de la saison dernière, il a dit à on ne sait pas si c'est Alves ou Thiago Silva ou Marquinhos qui leur a dit que oui, il reste à Paris à 100%. Après, il y a eu l'histoire de viol. Il y a eu l'histoire de la blessure. Il pense que Paris est poissard. Que cette ville lui porte la poisse. Donc, il décide subitement de partir dans sa tête. Il veut retourner au Barça. Le transfert est impossible, comme on vous l'a dit. Il fait une interview à Band TV. Elle est reportée. Ou soi-disant, il aurait communiqué ni sur la Copa, ni sur l'affaire de viol, ni sur le futur transfert. Donc il a parlé de quoi, on ne sait pas. Après, on a une interview où il dit que la remontada, c'est de la provocation, ou pas. Chacun dira ce qu'il veut. Il dit que la remontada, ça a été le meilleur moment de l'histoire, alors que le mec, il a gagné la Ligue des Champions et tout ça. Après, juste avant, il te met un post sur Instagram où il met le maillot du Barça. Ce matin, c'est glacial. La réunion avec lui et Leonardo. Et on annonce des échanges 150 millions plus Dembélé.
Là, la télévision brésilienne qui se fait braquer, il y a trop d'histoires qui concordent. Qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça, les gars? Là, je commence. Il faut être très clair là-dessus. Tu peux pas passer à côté de ça. Les médias, ils te disent que la télévision brésilienne s'est fait braquer. Mais c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il faut en conclure? Qu'il y a des choses qui ne sont pas normales dans ce transfert. Il y a des choses bizarres. Voilà, je suis désolé. Je suis désolé. Il faut le dire. Il faut le dire. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe dans ce transfert. Mais faudrait que au moins ils se mettent d'accord vraiment, qu'ils parlent une bonne fois pour toutes. Mais le problème, c'est comme il sait pas si c'est possible ce transfert. Mais moi, je sais que c'est impossible. Le mec ne peut pas parler. On lui interdit de parler. Son père, Xavi, tous les communicants, son avocat, sa conseillère Gabi, Costa, Mota, tout ça, on l'empêche de parler. Il y a trop d'enjeux financiers là-dedans. Alors, s'ils ont braqué. Pourquoi ils ont braqué? Pourquoi des mecs, ils ont rien à faire de leur vie sinon? S'ils braquent une interview où il n'y a rien dedans, ça ne sert à quoi? Donc s'ils l'ont braqué, c'est qu'il y avait quelque chose de compromettant là-dedans, où il a dû parler, où il a dit quelque chose dans cette interview. C'est obligé. C'est obligatoire. Pourquoi les mecs, ils iraient braquer une interview où le mec ne parle de rien? Qu'on m'explique en commentaire au lieu de m'insulter, au lieu de me traiter de fils de pute et de nique ta mère. Ou de binoclard. Voilà. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Quel intérêt de voler une vidéo? Même pas de la voler. Parce que moi je dirais voler. Si le mec il est passé par là, il a pris la cassette de l'enregistrement et il est parti. Mais là, braquer. Un braquage, c'est-à-dire que t'as des armes. T'as des armes de main et vas-y, donne-moi la. Je te braque le camion et je te prends la. Le camion d'enregistrement et je te prends la vidéo. Si les mecs ils ont braqué la. Si les mecs ils ont braqué la. L'interview de Neymar. C'est qu'ils veulent en faire quelque chose. Alors va savoir si c'est pas un autre média qui a braqué un autre média, s'il y a des histoires d'agents derrière tout ça, s'il y a des histoires de mafia. On sait très bien qu'il y a de la mafia dans le foot, qu'il y a de la corruption. On sait très bien que c'est en plein transfert. S'il y avait pas eu, si l'interview elle aurait été en mai ou en avril, il n'y aurait jamais eu de problème. Donc qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? On sait que le Barça en plus a d'autres pistes que Neymar apparemment, surtout Bartomeu. On a vu hier le joueur. De l'Inter Milan, il serait prêt à mettre 112 millions. De Ligt, tout le monde dit qu'il va signer à la Juve, mais c'est toujours pas fait. Et apparemment, le Barça n'aurait pas dit son dernier mot sur le dossier. Donc c'est compliqué. Neymar veut partir, Paris veut le vendre, mais il n'y a pas de deal possible avec le Barça. Apparemment, le seul deal possible, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, dans la précédente vidéo, ils accepteraient que 150 millions d'euros plus Dembélé. Bon, moi, j'aurais préféré 150 millions plus Coutinho. Mais voilà, c'est 150 millions plus Dembélé et il n'y aura pas d'autre accord. Et malheureusement pour le Barça, c'est impossible. Mais par contre, c'est possible pour les autres joueurs. Donc pourquoi Mundo Deportivo Esporte, ils disent que c'est impossible pour Neymar, soi-disant, de balancer 150 millions? Parce que les journalistes, ils disent qu'ils ont eu des prêts à la banque, des machins. Mais pourquoi pour le joueur de l'Inter et pour De Ligt, ils auraient les moyens, même si De Ligt, c'est moins cher. Donc tout ça n'est que. Il y a un complot là-dedans. Moi je suis désolé, il y a un complot là-dedans. Moi je voudrais juste qu'on me pose la question, après on va me dire je me répète, tu dis toujours la même chose, mais quel intérêt pour des braqueurs de voler une interview où soi-disant tu ne parles de rien dedans? Alors est-ce que les mecs ils veulent la revendre à un prix exorbitant? En tout cas, cette histoire va nous faire péter les plombs. Voilà. Va nous faire péter les plombs. Donc moi je considère qu'il va rester, toujours, à moins que le mec menace de se suicider. Je comprends pas, mais comment tu peux braquer une interview comme ça? Mais le problème, c'est que Neymar, son comportement, moi je le sais, parce que dans la vidéo où j'ai fait lettre à Neymar, on me dit, ouais, tu suces Neymar. Non, je suce pas Neymar. J'ai juste expliqué dans cette vidéo que le mec, s'il donnait 100% de ses capacités, il pourrait être le ballon d'or. Mais à Barcelone, il ne sera jamais ballon d'or. Il sera toujours dans l'ombre de Messi, tout ça et tout. Donc voilà les potos, voilà pour faire ce petit bilan. Donc la réunion entre Leonardo et Neymar a duré 3 heures. Leonardo lui a fait comprendre que lui, il serait pas contre. Le vendre, mais pour l'instant il n'y a pas de solution. Le Barça n'a pas fait de proposition. Personne n'a fait de proposition. Le Barça n'a même pas fait de proposition pour l'instant. C'est que des histoires de journaux pour l'instant. Voilà. C'est que des histoires de journaux, d'agents, de trucs comme ça. Voilà. Neymar, lui, a dit aussi qu'il voulait partir. Ça, on le sait tous. Et qu'il ne serait pas contre faire une saison de plus. Mais quoi qu'il arrive, Leonardo lui a dit que ce serait compliqué le transfert cet été. Voilà. Donc, à un moment, il va falloir vite régler cette histoire. Parce que ça va gâcher le début de saison du Paris Saint-Germain. Ça va gâcher le début de saison du Paris Saint-Germain. Il faut vite prendre une solution. Leonardo, là, j'ai vu que c'est très bien ce qu'il fait.
Si la réunion elle a duré 3 heures, c'est de la fermeté. C'est pas Enrique qui te l'aurait convoqué 3 heures. Donc ça a dû chauffer grave, 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 grave. En portugais, ça a dû balancer peut-être les insultes, on ne sait pas. En tout cas, on voit l'autorité de Leonardo. Et là, il va falloir se poser des questions. Mais moi, je voudrais avoir votre avis en commentaire. Dites-moi en commentaire. J'espère qu'on aura des nouvelles infos, mais ce braquage me paraît très chelou. Comme ce report de jeudi à lundi est très chelou. Cette interview, on l'attend depuis une semaine. Ça parle de partout, tout le monde l'attend. Et on l'aura jamais. Et là, ils nous font croire, on va essayer de la récupérer pour la diffuser. Mais tu la récupéreras jamais, frère, hein. Où tu vas la récupérer? Franchement, où tu vas la récupérer? Fallait la diffuser tout de suite s'il n'y avait rien. Voilà. Donc il y avait quelque chose dans cette vidéo, moi je suis sûr et certain. Donc voilà les potos, bah voilà pour cette affaire de braquage de la télévision brésilienne. On vous a mis le passage en début de vidéo, hein. On vous a mis le journal brésilien quand ils annoncent qu'ils se sont fait braquer. Donc voilà. Sinon, bah pour Diallo, bah, il est en train de passer la visite médicale en ce moment. Donc ça va être officialisé normalement ce soir ou demain matin. Il va signer un contrat de 5 ans pour 34 millions d'euros. Donc voilà. Tonali, Leonardo a fait une proposition. Leonardo a fait une proposition de 30 millions d'euros. Alors est-ce que ça va être accepté par Brescia? On sait que Tonali hésite à partir. Donc voilà. Et dans le dossier de Delirte, c'est pas fait encore pour la Juve. Apparemment, le Barça n'a pas dit son dernier mot. C'est pour ça que cette histoire concorde aussi avec toutes les réunions de Leonardo, de le retour de Neymar à l'entraînement, de cette histoire de braquage télévision brésilienne. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le Titanic, hein, c'est le Titanic cette histoire. Donc voilà, on reviendra vers vous si on a plus d'infos. Ben voilà les potos, bah, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si on pourrait atteindre les 200 likes dans cette vidéo, ce serait magnifique. Je pense que dans l'ancienne vidéo, j'avais dit que j'offrirais le livre à 150 likes et le commentaire serait plus liké. Je crois qu'on a atteint les 150 likes. Donc je vous attends, je vais jusqu'à minuit ce soir pour l'ancienne vidéo que j'ai dit où j'offrais le livre. Et dans cette vidéo, si on atteint les 200 likes, je ferai gagner le livre aussi, un autre livre. Un autre cadeau que je vous présenterai dans une autre vidéo. Voilà les potos, bah comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces histoires. La réunion chaude et glaciale entre Leonardo et Neymar. Le braquage de la vidéo de l'interview de Neymar de la télévision brésilienne par des braqueurs. Ce deal entre Dembélé, échange Dembélé-Neymar 150 millions. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ça m'intéresse. Puis moi les potos, je vous souhaite une bonne après-midi et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Salut les potos!